Those who judge condemn themselves. Ouais, là, le temps de cul, on peut pas trop se plaindre. Je vais peut-être avoir plus de reroll viable maintenant, maintenant que la plupart des trucs ont été nerfs, je me dis. Ok, j'ai une strat. Quoi? Oh, mais c'est vrai qu'ils ont enlevé ça. Ah, ça pète les couilles. Oh, mais avant, il y avait 9 gold, il y avait 9 rolls directs. Ils l'ont nerf. Oh, c'est nul à chier du coup. J'ai envie de jouer Conqueror. Il est en full open Kog'Maw lui? J'avoue qu'avec cet augmente c'est turbo broken.
High roll, c'est dépenser beaucoup de gold dans tes relances. Ah, je pense qu'il faut que tu reprennes ton dictionnaire de TFT. Et que tu revoies tes définitions, mon ami. High roll, ça veut juste avoir de la chance. En gros. J'ai pissé au lit. Ok mec. Pas grave, tu sais. Hein. Arrive à tout le monde. Enfin. Je dis tout le monde. T'as 8 ans et demi quoi. Il va pas roll Darius et Draven par hasard. Il va pas roll Darius et Draven alors que j'avais un start family, j'ai pivoté parce que j'ai vu qu'il avait ça. Non 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 non, s'il fait ça genre... Je pense qu'en fait on va pas roll Darius Draven, on va juste avancer là. On a le Swain 2, on va jouer autour du Swain 2. Bon, on va faire Swain 3. On va faire Swain 3. Alors, on a Diclo, Red Buff. On a Shore Statique, Red Buff. On a une auge. On se spamme tout.
Merde. Oh, la game me casse les couilles, c'est bon. La game me saoule. Je joue avec un augmente en moins, c'est pas grave. De toute façon, j'aurais pas. De toute façon, je pensais que ça donnait directement des free rolls à partir de là, Gonex. Enfin, Gonex. C'est ce que je disais. C'est une augmente prisma, je peux pas. Je peux pas ne pas roll des augmentes de merde. Ouais, je sais pas. Non, ça me casse du coup. Ouais. En vrai, c'est chiant. Faut relever une réelle, non? Imagine us heroes. Finish the fight. Something need killing. Choke your life from me. I will not tolerate interference. Mais c'est ça, j'ai tous les 4 costes sauf ce que je veux, genre. Là, il me faut juste un truc, les gars, une rel. Ok, en baisse, ça marche aussi. En baisse, ça marche aussi. Les items sur le bench, c'est fini. Bon, ok, on va avoir un swing 3 très rapidement. Ça, c'est plutôt cool. Bon, par contre, la troisième augmente, faudra pas que je roll. Il a vraiment fait Draven 3 et Darius 1. Hein. Il sait pas jouer la comp. Hein. Non, en vrai, ça se fait cette version. J'abuse.
Ah. Le fameux Kog'Maw 2. Je vais me gêner pour garder les Draven. Je vais me gêner, mon ref. Sorry. Try to die with dignity. Looking for me? You can place your loyalty to me. Bon, faut pas oublier, la première augmente, c'est facile. Allez, on flippe, hein. 40 rolls. Ah, c'est beaucoup de rolls, ça. Putain, si seulement Swain 3 faisait autant de dégâts que Kog'Maw 3. Ils mettent pas les patchs sur un site officiel? Ouais, c'est une bonne question, ça.
que Murdoch il s'est rendu compte qu'il gagnait beaucoup de follow quand les gens venaient sur son Twitter pour voir les bipatchs. Il s'est dit bon, on va laisser ça comme ça, c'est bien. Derrière, je lance un stream. J'ai beaucoup de viewers, c'est cool. Oh. We fight for those who cannot. I will not tolerate interference. C'est quoi ce mundo, frère? C'est quoi cette merde? Et tu veux faire quoi en fait? Peur? Et allez, maintenant un autre truc immortel en front. Ça va, il se débrouille mon Swain. Je pense que Archange c'est un peu mieux quand même. Il tape dans la backline quoi. On vient d'avoir un palier là, non? Qu'est-ce qu'on a?
Pas fameux, mais bon. On a des rôles gratuits à taper au 9, ça c'est cool. Merde. Encore un mec qui a pris les mi à l'HP. Putain, mais ils prennent tous cette augmente. Ils prennent tous... Ils ont tous pris ce truc là. Ils ont tous des fronts immortels. Les couilles, sérieux, genre. Ça sert à rien de faire ça, on l'aura jamais. On a besoin de dégâts là. Non, mais ça, c'est vraiment le perso du flop, hein. Je crois que je vais give up Draven, hein. Je sais pas pourquoi je le 3 star en plus. J'aime pas d'item à lui donner. Ok, on est top 4. Ouf. On va pouvoir sortir de ce cauchemar. Attends, c'est une lèche 2 ça, je crois. Mordez. Merci.
J'ai beaucoup joué Conqueror, je connais les cash out par cœur quasi. J'aurais peut-être dû garder les mordets pour les deny. Non mais ça c'est vraiment trop de la merde. En fait, le problème c'est que t'as envie de lui rentrer Quick Striker, mais d'un autre côté t'as pas envie parce que c'est un slot gâché, parce que les Quick Strikers c'est que des unités de merde. C'est ça le vrai problème. Il aimait bien parce qu'il va me permettre d'atteindre le 440. 440, je crois que c'est un TG. Si mes souvenirs sont bons, c'est un TG. Je le mettrai sur Ambessa, je pense. Et ensuite, c'est un full item, et ensuite, c'est un item support. Lui il peut pas bouger de sa case vu qu'il joue Twitch, il est obligé de rester là. Mettre Elise ici, elle va jump là, elle va cesser le Twitch. Ouais, il a trop. Dommage. C'était un tour de passer de 10. Ouais, c'est déjà bien le top de cette game. C'était vraiment pas gagné.